moi non. C'est comme quand tu dis la Tunisie c'est en Afrique du Nord. Ah vous avez le téléphone là-bas. Et l'eau courante aussi. En Afrique, tu vois, l'Afrique c'est énorme. Ah oui mais j'ai eu la truc. Et quelqu'un m'a vu sur internet. Mais c'est le retour à Toulouse. Non, c'est toujours en Roumanie. Ah t'as de l'internet chez toi. Ouais, ouais, la technologie avance. Moderne, hein. Est arrivée chez nous aussi. On est quel numéro dans le top de hackers? 3. 3. Il y a les États-Unis, la Chine et Roumanie. Donc pour pouvoir s'entraîner, on a dû forcément avoir de l'internet. Ah mais de toute façon, attends, il y a 2 ans, il y avait la Roumanie qui était avant la France. On a eu ça dans un cours, on a vu. Tu vois, on montrait l'année passée, on verra il y a 2 années, il y a 1 an, les situations. Et il y a 2 années, on affiche la grande tarte avec tous les morceaux, chaque pays, combien il y en avait. Et il y avait la Roumanie qui était beaucoup devant la France. Et tous mes collègues, ils m'ont regardé, ils m'ont dit hey, « vous êtes des hackers hein. ». Après, il arrive la tarte de l'année suivante. Et c'est la France qui avait dévancé la Roumanie. Ah, elle avait plus de hackers? Ouais, bon. La France? Ouais, des mais hackers, je pense que la plupart sont des Roumains qui sont en France. Du coup, français. Et en première. Et moi j'ai reçu dans la dernière semaine, j'ai reçu 2 mails de phishing avec les banques roumaines. Une à laquelle j'ai même pas en compte. Mais l'autre oui, à BRD. Mais toi. Attends. Et c'était laquelle? C'était les États-Unis. Ah. Puis la Chine. La Chine aussi? La Chine c'est énorme. Je pensais que c'était plus difficile. Mais fais un peu. Vu le contrôle. Mais la Russie c'est bizarre, la Russie ils sont pas. Je pense qu'ils étaient derrière. Mais... Ah. Je sais pas, de toute façon elles sont assez subjectives les statistiques. Parce que ça prend pas un coup. En fait c'était sur des attaques de phishing. Ce que je vous dis. Après sur attaquer des logiciels, là, je sais pas, sur un téléchargement illégal c'est la France. Sur. Je sais pas. La pénétration de la DSL a augmenté le nombre de téléchargements illégaux en France. On y va ? En Belgique aussi. Allez.